Bien-aimé, nous pourrions rentrer dans le message de la parole. Ma invite à ouvrir Bibo avec moi dans le livre de Genèse. Nous pourrions aller lire dans verset, dans chapitre 25. Nous avons considéré verset 29 à 34. Même si ma encouragé, les gens ont temps pour lire tout passage là. Mais nous-mêmes n'avons seulement considéré verset ça au Genèse, chapitre 25, verset 29. Au verset 34. Verset 29 à 34. M'appeler dans deux langues, d'abord en français et ensuite n'appeler en créole et puis n'a rentrer dans le passage ça ensemble. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton doigt d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce doigt d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura, et il vendit son doigt d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Un jour, Jacob te fin cuit yon bon bouillon. Ésaü entré saute dans le jardin, li te bouquet en pile. Li dit Jacob comme ça, m'ap mouri grand goût. T'en prie, bon petit goutte nan bouillon pois ou joua. C'est peut-être ça, yo te ba Ésaü, yon petit nom, yo relèl, Édom. Mais Jacob dit, ma ba ou ti gout si ou vend moins doua ou comme premier petit. Ésaü répond, d'accord, moi pral mouri, qui sa doua comme premier petit la ap servim? Jacob dit li, fem seman avant. Ésaü fait seman ba li vend li doual comme premier petit. Les fini, Jacob bali pain ak ti gout nan bouillon. Alors nan bouillon pois. Ésaü mange, li boit, li leve, li pati. Comme ça, Ésaü te considéré doit li comme premier petit pour rien. Et le peuple de Dieu dit amen. Bien-aimé, assoya, nous parlons réfléchis sous yon histoire que moi relé yon histoire de mépris. Et c'est le titre message nou, titre méditation nou pour soya, yon histoire de mépris. Même genre avec toute histoire dans la Bible, moi quoi gen yon message, la parole de Dieu vle communiquer à tout le monde qui a appelé histoire ça. Gen yon sagesse spirituelle, gen yon leçon de vie. Gen même peut-être yon appel de l'esprit de Dieu concernant tout monde qui t'a li histoire ça. Yon bagay li vle apprendre nous à travers yon histoire comme ça. Et pour nous prendre sans nous pour nous apprendre les bien-aimés, nous pourrons rentrer dans passage Jean-Jean Mefel et n'a décortiqué pour vous qui ça l'esprit de Dieu j'en nous comprendre ni vle communiquer moi-même avec aujourd'hui. Moi pas rentrer dans tout détail puisque son histoire qu'on est suffisamment bien. C'est histoire de frères Jacob et Ésaü. Jacob avec Ésaü, c'est deux jumeaux qui fait à peu près dans même temps, dans même l'heure. Sauf que l'heure où t'as fait, gayoun qui sortit avant dans votre maman et l'autre l'en sortit après. Ça qui sortit avant, c'est Ésaü. Saxoti après, c'est Jacob. Et l'on rappelle tout texte là, ce que me conseille au fait, bien-aimé. La parole de Dieu rapportée, Jacob, le lap sorti dans votre maman, li Rebecca. Eh bien, li kembe talon pied, Ésaü. En d'autres termes, c'est vrai, c'est Ésaü qui sorti avant. C'est Ésaü qui vint premier petit, parce que li fait avant. Mais le Jacob a sorti, li kembe talon pied Ésaü, c'est comme si ou t'a dit, même Jean Texte l'a rapporté, quelque part, li déjà en compétition avec Ésaü. Quelque part, la bat pour t'a râlé pied Ésaü descendre pour lui-même, il t'a passé devant Ésaü.
Là, moi faire un résumé rapide sous naissance de frère Sayo. Ou qu'on est déjà, yo, c'est petite Rebecca qui c'est madame Isaac ça ou qu'on est qui c'est petite promesse Abraham. Bon Dieu t'a fait Abraham promesse avec Sarah. Abraham et Sarah t'es supposé tendre l'enfant de la promesse que bon Dieu t'a fait yo. Le bon Dieu t'a dit yo à travers yo même pour gagner une nation cap sorti. Mais en pile temps t'est passé Abraham avec Sarah pas trop accomplissement promesse là. C'est comme ça où songe histoire bien Sarah pral demander Abraham pour lui aller coucher avec yon servante li Agar. Ce qui était un monde qui sortit dans le pays l'Égypte pour le cas accompli promesse bon Dieu. Cependant, c'est pas ça bon Dieu t'a dit Abraham avec Sarah. C'est vrai, petit garçon Agar en fait, c'était Ismaël. Mais par la suite, bon Dieu pral accompli promesse pas là, Isaac pral fait. Eh bien, c'est Isaac ça, bien-aimé dans l'histoire jodiant, qui papa de monsieur n'a pas léo là. Isaac c'est papa Jacob et Isaac c'est papa Ésaü. Il se trouve que l'on appelle histoire là dans chapitre 25 là, Isaac l'y unit avec madame Rebecca à l'âge de 40 ans. On t'a qu'a dit yo marié à 40 ans. Mais il se trouve que 20 années passées avant Rebecca tomber enceinte. Rebecca était dans une situation le pas de café petit. Le nali, dans verset 21 en Genèse chapitre 25, la parole de Dieu nous dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Même ça qui t'est arrivé, maman Isaac, en la personne de Sarah, eh bien, l'est arrivé madame ni. Madame n'en fin mariée 20 ans après. Les pral gagnent premier petit. Il se trouve que le Rebecca finalement enceinte après 20 ans de mariage, ou bien sous préféré après 20 ans d'union, le récit enceinte, les enceintes yon petit moun, deux jumeaux. Et timoun yon bien aimé, yon rivé dans situation, y a bataille en devant Rebecca. Le nous lit dans verset 22, hein, c'est ça nous lit littéralement. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Et elle alla consulter l'Éternel. Et Rebecca, en dit, Jean, ou bien l'impression, la plaignait sous causé, hein? Il dit, « Mais si c'est qu'on s'habite, on ne pas enceinte. » Alors, dans tête Rebecca, me pas connaît, bien aimé, ou bien l'impression, il t'a pas tant ni, grossesse liant, c'est un bagaille tranquille, tant qu'il y a un long fleuve, cap couler tranquillement. Mais c'était pas le cas. Et là, elle consultait l'Éternel, elle demandait, mais pour qui ça, toute bataille ça dans votre moyen? C'est deux petits mounes moins potés. Ça qui expliquait toute bataille ça. Et l'Éternel, pour elle, dit, Rebecca, gagnez deux nations dans votre tout. Gagnez deux peuples qui ont sauté en dans un trahou. Et dans deux peuples, ça y est, gagnez un cap fort, gagnez un cap plus faible. Et puis grand, la au service de plus pitiant. Puis grand, l'absence est quelque part esclave plus pitiant. Et c'est comme ça la parole de Dieu racontez-nous, le jour Rebecca t'est doué accoucher arrivé, bien-aimé, bagaille arrivé, Jean l'Éternel t'est dit, gagne deux jumeaux dans ventre lit, alors qu'on est dans période là, c'est pas de période moun t'est qu'on a fait sodographie. Pour yon konnen si yon pral gen ti fi ou bien si yon pral gen ti gason, yon pat même kapab konnen konbyen ti moun ki nan vant yo. Alors l'Éternel te getan annonce, c'est deux ti moun ki nan vant li. Sinon, li pat ap gen ken moyen pou l'konnen que c'est deux ti moun ki nan vant li. Effectivement, le rive pou l'accoucher, li rend ni compte que, effectivement, bon Dieu te getan annonce ça, li fait deux ti moun. Premier ti moun nan, Ésaü, li sauti. Et li tellement et le fait, li fait poilu avec un pile poil et poil yo gon couleur roux. Yo bal yon nom qui vle di rouge. Si nous tap mette l'en créole, nous même nous tap bal nom,
Donc on est l'un bâti ti moun nou yo nou en créole, des fois non yo vle di on bagay, nou même nous peut-être t'appeler le ti rouge. Eh bien c'est même genre en Israël, non yo yo toujours gon signification. Non yo toujours vle di on bagay. Yo rele Esaü parce que il t'est fait avec un pile poil sous col, Esaü qui vle di rouge. Et ensuite, frère l'en fait Jacob et j'en t'ai expliqué au lien bien-aimé. Jacob fait mel kembe talon pied Esaü, Esaü vient sortir mais Jacob kembe talon pied Esaü et Jacob vient fait par la suite. Tous les deux timoun yo grandi. La parole de Dieu rapportait nous que Esaü li vini un chasseur habile. C'est moun kal à la chasse, pote gibier nan kalan. Alors gibier c'est une autre façon pour dire l'aller le tuer les oiseaux, li tuer tout bête nan bois pour poter pour yo faire manger. Et c'est un homme qui était très habile dans question manier flèche, manier piège dans champ. Ça c'était Esaü. Jacob lui-même c'était l'opposé de Esaü. La parole de Dieu rapportée au verset 27. Jacob c'était un homme tranquille. Il était toujours été dans tente là. Jacob c'est ça noté carrelé, si on t'a utilisé un langage moderne, un fils à maman. Jacob était toujours dans tente là, appé des servantes yo, appé des mamans, fait bagaille qui gain rapport à Kay. Il se trouve que entre Rebecca et Isaac, Isaac remet Esaü, Rebecca lui-même plus remet Jacob. Isaac te remet Esaü pour qui ça? Parce que la parole de Dieu rapportée, Isaac c'est nèg qui te remet ti gibiel. Li remet le monal dans jardin pour ti bagay pour li pour le manger. Et Rebecca lui-même naturellement puisque c'est Jacob qui était toujours dans calan avec elle, le besoin monde qui pour aider dans travaux domestiques yo. Jacob était toujours là. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, Rebecca lui-même li te remet Jacob. Bien-aimé, m'a fait une petite parenthèse, m'a pas prêté sous lit. Mais à tout parent qui souligne, non, qu'on c'est maman ou bien on c'est grand-mère, qu'on c'est papa ou bien on c'est grand-papa, l'important pour nous comprendre, bien-aimé, nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de Timounio ou bien vis-à-vis de petite-petite, nous. Oui, ça qu'arrivé, yon maman senti nan keul, li gen yon chaleur en plus pour yon timoun. Moi choisi di le comme ça parce que m'pa vle di, li reme yon timoun pi plus. Parce que s'il ta comme ça, ou ta dwe fait très attention parce que sou ta exprimé yon l'amour plus pour yon timoun envers yon l'autre, ou ka créé gros problème nan fami an, parmi les frères, parmi les sœurs, parmi timoun sa yo. Même si ça qu'arrivait ou t'as senti dans cœur ou gain yon chaleur peut-être par rapport à tel timoun on ti jan chaud si m'kadil. Fais attention nan façon à exprimer parce que nan façon ou montrer yon timoun ou pi remèl passé yon l'autre ou bien pi remèl l'autre passé ça ka créer tension dans famille. Rebecca avec Isaac, ou gen impression yon non situation ki yon jan semblé ak sa. Chaque choisi qui est sur remen. Et c'est pas une situation idéale pour ti moun grandi. Là, c'est une parenthèse me fait sous texte lan pas développé sous point ça. Mais m'espero ap comprendre bien-aimé. Lò créé yon environnement comme ça pour ti moun ou grandi ou créé possibilité pour toute sorte de jalousie grandi nan cœur yon nan ti moun yo. Ou créer possibilité pour yon nan timoun yo grandi avec un amertume nan kèl. Comme si li même li pa timoun yo remen an. Li se timoun ki vini en deuxième nan. Li se timoun se le lot nan fin jwenn pour li même li jwenn nan. En tant que parent, ou doit faire très attention pour pas créer type de situation sa yo. Parce que bien aimé, sa ka forger caractère timoun nan. Et sa ka fait timoun nan grandi à aigreur nan cœur li contre seul contre frère. C'était en parenthèse nous fait meni parce que c'est pas là texte là menen nous. Donc Isaac te remè Esaü, Rebecca li même li te remè Jacob. Le mapli dans verset 29 lan, toujours au chapitre 25. La parole de Dieu nous dit yon bonjour Jacob a fond manger.
Donc, à l'apprendre par la suite que manger le tafea, c'est yon bouillon. Et Esaü lui-même sautit dans la chambre sur son travail la terre. Le texte nous dit qu'il est accablé de fatigue. Esaü, dans situation, côté li saute travail la terre depuis nan tan sa, c'est pas yon bagay qui facile. Jusqu'à présent, travail la terre pas facile. Et nous connaît côté sa sortie, pas vrai, depuis dans Genèse, après le péché, bon Dieu te dit Adam, ou ap travail teyan pour joindre pain, pour manger pain, ou ap fèl à la sueur de ton front. C'est pas un bagay kap tombé du ciel, ou doit travail dû pour manger. Eh bien, conséquence ça, les suivent depuis Adam, passé dans temps Isaac, Esaü, et les rivés viennent joindre nous jusqu'à présent. Esaü, donc, bien-aimé, les sautines en chant, accablé de fatigue. Et Esaü, ouais, Jacob, qu'a fait un bon bouillon. Esaü dit, Jacob, quittez-moi joindre un petit bagage dans le bouillon, ça va faire là. Parce que me fatigué. Et c'est pour ça, yo bali non tout, Esaü, yo bali Esaü non Edom. Edom non bouillon, et Jacob t'a fait, hein? Texte français a rapporté, c'est une sorte de bouillon qui gon couleur rouge. Même genre, Esaü, le t'a fait, il t'a gagné de poils rouges. D'ailleurs, le mal vérifié dans le texte hébreu, hein? Jean Yoré Lely, c'est rouge, rouge, bouillon que Jacob t'a fait. Le Esaü mandé dans bouillon, il pas connaît qui qualité bouillon Jacob t'a fait. Il seulement dit Jacob, ben moins dans bouillon, dans bagaille rouge, ça va faire. Littéralement, c'est ça le dit, bagaille rouge, ça va faire, ben mon petit bagaille la donne. Parce que Esaü pas connaît qui ça Jacob t'a fait. C'est yon nan bagay ki fè yo vin renforse non rouge liyan, yo relèl Edom. Donc, Esaü mande Jacob nan bouillon an. Nou mèm nou vin konè se ton bouillon rouge. Et Jacob di Esaü, an van m bon nan bouillon an, van mwen dwa premier piti tou genyen an. Et Esaü repon li nan verset 32 ya, m pral mouri, ki sa bagay dwa petit qui fait en vent ça a put-il moins bon bouillon hein, ou mettre prend droit. Et plus bas Jacob pral dit Esaü en vent bon bouillon hein, m'a mando pour faire serment qu'ou accepter faire une transaction avec moi ou accepter ben moins droit d'aîné souvent droit premier petit ou an, pour moi-même moi capable bon yon bol bouillon. Alors, m'tare mes prensemble bien aimé pour m'faut comprendre, pas oublier n'a pas l'eau de histoire yon mépris. Histoire yon mépris. Le droit d'aînesse, si on doit comprendre, c'est yon droit supplémentaire que tout premier petit te gagné. C'est droit ça qui permet timounan, premier petit nan famille, li jwenn on double portion nan héritage famille. Droit ça, li vini tout avec privilège que premier petit plan gagnait, pour c'est lui-même, au moment de la mort du père, ou bien de la mort de chef famille, premier petit plan, li vini jouer rôle leadership, c'est lui qui vini leader famille, c'est lui qui a orienté famille, c'est lui qui a bail famille en directive, quelque part, lui c'est héritier, premier héritier de famille ça. Un peu plus loin, un peu plus tard, bon Dieu pral instituer norme ça de façon formelle. Dans Deutéronome 21, verset 15 à 17, bon Dieu a expliqué comment droit d'aînesse l'an li établi. Li te yon simple tradition parmi les enfants d'Isaac, mais bon Dieu pral instituer dans le livre de Deutéronome. Bon Dieu dit, si on nomme ta gagne de madame, gagne on li remè, gagne on li pa remè. Et s'il t'a fait petit, premier petit li a sale parrain main, même s'il parrain main fi ça, c'est pas fi ça le pire main, mais premier petit là, li doit gagner un droit spécial. Droit spécial ça, c'est une double portion que le gagnant de tout héritage familial.
côté l'autre timoun yo ka joine quelque bagay, li même la joine deux fois la valeur ça l'autre yo ka joine. Non seulement ça, li gen yon droit pour le bail famille en directive. À l'époque bien-aimé, famille yo c'est nan camp yo te konn vive. Chaque famille te gen camp pa yo te gen nombre de serviteurs. Famille qui riche te konn gen pile servante, en pile serviteur. Par exemple, dans Kaisarak la, li te gen pile servante, li te gen pile serviteur. Comment nous fait qu'on est? Eh bien, parce que li hérité yo de papal Abraham. Abraham, c'est ton monde qui te gen pile servante, en pile bête, en pile serviteur. Abraham délégué bagay sa yo à Isaac. Li bay l'autre petite que te gen cadeau. Mais Isaac te hérité de la plupart des biens d'Abraham. Eh bien, c'est comme ça. Ti moun ki fèt an van nan fami an, li te gen dou porsyon de eritay sa. Eh bien, c'est dans situation sa, Jacob te ye avec Esaü. Esaü se moun ki te gen droit d'aînesse lan, droit premier petit la. Donc, le Jacob comprend ça. Jacob pral mande Esaü pou le fon transaction. Cependant, bien-aimé, gen bagay ki bizarre. Ou ka dit tout transaction sa lyon ti jan drôle, lyon ti jan déséquilibré. En réalité, qui est moun qui t'a accepté vendre droit premier petit yo pour yon bol soupe? Yon bol soupe yon bagay ki si insignifiant. Qui est moun qui t'a même envisagé nan tête yo entrer nan yon deal comme ça, nan yon affaire bizarre comme ça? Ou ka pose tête l'autre question? Qui ça qui fait Jacob même mette dans tête li pour lui faire Esaü yon offre comme ça pour offrir Esaü pour Esaü ta vendre droit d'aînesse lan pour yon bol sou? Qui ça qui fait Jacob lui sauter sous occasion fatigue Esaü? Qui ça qui fait le penser que Esaü tape d'accord possiblement vendre droit d'aînesse lan? Ma rappelons que Jacob bien-aimé l'a vive avec Esaü. Très probablement Jacob ouais attitude Esaü gagne par rapport à question héritage là. Très probablement l'y habitué tendait Esaü qu'a parlé de droit d'aînesse là. Li peut-être connaît Esaü te gagne un certain mépris par rapport à héritage ça dans cœur. Et qui t'aime faire en parenthèse bien-aimé, me t'a remé ou ben moi toute attention. Ou qu'on est souvent gayon bagay yon moun faire. Gayon proposition yon moun faire. Li ta doit amener ou à rentrer dans yon examen de conscience. Gayon bagay yon moun vin di ou gayon blague yon moun fait avec ou blague ça même si moun n'en pas conscient ou même en tant que chrétien. L'état doit amener poser tête ou question pour ta dit tout mais qui ça qui fait moun ça penser li ka font blague comme ça avec? Qui ça qui fait moun ça penser li ka vinn joindre moi pour faire une proposition comme ça? C'est peut-être parce que li wèm yon jan. Si li wèm comme ça, c'est peut-être parce que moi-même moi projeté tête moi comme ça tout. Des fois bien-aimé, gen yon bagay yon moun di ou c'est comme si c'est un miroir li longe ba ou pour garder pour peut-être pas. Et sous gain l'esprit de discernement, l'esprit bon Dieu qui travaille dans ou doit humblement poser tête aux questions. Qu'est-ce qui fait moun sa penser li ka vinn parler tel l'autre moun mal ensemble avec moi? Moi c'est un chrétien. Moi réclame de la famille de Jésus. Mais qu'est-ce qui fait le penser moi c'est moun sa li ka fin longer doit sous l'autre monde avec lui pour qui ça le choisit pour qui ça le fait une proposition ça naturellement gain de monde qui est impertinent maman gain de gon mot remen utiliser maman moi même remen utiliser mot insolent maman moi même dit et ti garçon ça li insolent comme ça gain de monde qui est insolent mais gain de fois tout c'est pas impertinence pour non c'est pas insolence pour non c'est peut-être que nous projetons une image bien-aimée qui fait mon penser ça.
Dans le cas Esaü avec Jacob, là, pour nous retourner dans l'histoire, là, que Jacob qui a pensé faire une proposition comme ça à Esaü, ça voulait dire un bagage. Peut-être que Jacob connaît Esaü pas valoriser droit d'aînesse, là. Peut-être que Jacob connaît qui genre de attitude, qui genre de parole, de mépris Esaü habitué gagner le la palais de héritage là. Peut-être que c'est ça que fait, il profiter sauter sous occasion hein? Parce que c'est seule façon bien-aimé nous qu'a expliquer une transaction bizarre comme ça pour un monde d'accord pour lui abandonner héritage ça. D'où portion le tap gain dans toute bagaille. Héritage pour c'est lui-même qui vini leader famille. Hein. Pour yon moun d'accord, bien-aimé, pour l'échanger tout ça contre yon plat soupe. Si nous tap mettez le nan bon langage haïtien contre yon plat manger. C'est peut-être parce que quelque part, li te gen tan méprisé héritage là même avant yon te offrir le plat manger. Hein. C'est meilleure explication nous ka joindre. Et Jacob, en tant que bon intelligent, l'y sautait sous occasion. Dans verset 33, la parole de Dieu nous dit, bien-aimé, Jacob dit à Esaü, jure-le-moi d'abord. En d'autres termes, c'est menté que vous vendez moi droit de naissance tout bon. Alors, faut comprendre dans tradition juive, hébraïque, tout au moins à l'époque, le monde finit dit en parole et puis il s'est menté sous lit. Parole là, c'est comme si Mdadou li pour un sceau, li scellé. Parole là, gain valeur historique. Li pas qu'à renier parole là. D'ailleurs, t'es une tradition même, yo t'es qu'on lapidé moun qui fin fait serment son bagage et qui pas kembe parole li. Donc, Esaü t'es connaît forcément que l'œil fait serment. Serment, li obligé, respecté, li engagé. Jacob, même qui est intelligent, lui profitait d'Ésaü. Jure-le-moi. Fais seulement que jodi an même ou vann mwen droit premier petit ou an, donc ou pas premier petit encore. Sou pas premier petit encore, ça veut dire tout ça qui gagne comme bénéfice, comme privilège, ou abandonner le pour moi. Et qui te me rappelle Ésaü en passant, c'est pour un plat manger ou abandonner. Et la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, au verset 33, Esaü le lui jura. Esaü fait serment. C'est comme ça qu'il vend droit d'aînesse liant à Jacob. Alors Jacob baille Esaü yon plate manger, yon bol soupe. Esaü manger, le fin manger ventre li plein, li levé l'aller. Et au verset 34, la parole de Dieu nous dit, c'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'aînesse. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. C'est comme ça Ésaü t'est méprisé droit premier petit li t'est gagnant. Bien-aimé, m'sais yon nan moun ki kwè que histoire ça, c'est pas une histoire que nous ka passer sous lit à la légère. C'est yon nan histoire la Bible sa yo, nous lisons bien vite et puis nous pas essayer fouiller dans l'application histoire pour nous voir comment le cas appliquer dans vie nous. Nous sommes dans une application yo. Proposition Jacob Blanc, c'est une proposition nous carrément indécente. Qui ça qui fait Jacob font proposition indécente comme ça à Esaü? Eh bien, application pour nous-mêmes, gain de bagarre on vient dit nous, gain plague on fait avec nous, c'est une première application de café. Qui ça qui fait le penser le café, il café blague ça avec nous? Est-ce que quelque part nous pas montrer le bagaille? Est-ce que quelque part nous pas communiquer? En même temps, Abdi, nous camper sous bon Christ. Mais dans vie, nous projeter l'autre image. Première application. Deuxième application, bien-aimé, histoire ça, gain la donne. Est-ce que nous pas moun, peut-être, dans lignée Esaü en bien-aimé, qui contentez nous de anti-satisfaction temporaire? Et puis nous compromettre belle richesse spirituelle que nous t'ai joué par la suite. Pour me mettre dans bon Jean créole, est-ce que nous pas monde bien-aimé, cap tout et tête nous n'en poivre
le piment bon marché pour ne pas qu'à manger. Gain de plaisir temporaire, gain de satisfaction qui l'a pour un petit temps. Est-ce que bien aimé, nous gain tendance à satisfaction momentanée pour nous faire oublier toute richesse nous gagnons, tout héritage nous gagnons, captant nous. Pas seulement voulait poser nos questions en son mode d'examen de conscience, même voulait tout bien aimé, ben nous mise en garde. Nous mise en garde. Oui, gain de situations de tentation qu'a privé devant nous. Oui, gain de moments dans chair, nous dans pulsion, nous dans passion, nous fait avec chair, nous fait avec sang. Nous qu'a exposé à de moments de tentation. Mais pas oublier, bien-aimé, ça qui était aptant nous pis devant, il gain beaucoup plus de valeur que ça ou qu'a jeune dans petit moment temporaire ça. Pas compromettre héritage spirituel ou pour bagaille qui a passé, pour bagaille qui sans valeur, pour bagaille momentané, bien-aimé. C'est une mise en garde. Nous exposer chaque jour à gens de situation ça yo. C'est vrai, le n'a pas gardé histoire Esaüan nous qu'a trouvé. Waouh. Ça son histoire d'un jeune homme stupide. Ça son histoire d'un jeune homme qui pas réfléchi. C'est l'histoire d'un jeune homme qui fait montre de manque de maturité. Mais en réalité, bien-aimé, on n'a pas oublié que nous-mêmes, tout nous exposer à situation ça tous les jours. Est-ce que nous n'avons pas tendance à avoir même comportement à Esaü pour un petit plaisir maintenant, tout de suite, nous compromettre ça qui vini par la suite, ça bon Dieu gagne comme provision pour nous? Ça, c'est première application de challenge. Deuxième question, est-ce que nous, c'est monde qui agit de manière impulsive? Est-ce que nous agissons sous base de passion? Ou qu'on est corps, nous, chair, nous, les gains de exigence, les faits, nous, qui contraire avec exigence, l'esprit, bon Dieu? Est-ce que nous vivons bien-aimés tant que monde qui seulement obéit à pulsion charnelle, nous, yo, sous quelle que soit forme, yo, vini? Est-ce que c'est pour mon sol à manger? N'a pas quitté héritage spirituel nous gagne dans Christ l'en tombé? Est-ce que mon sol à manger a conduit nous fait ça que pas ça? Est-ce que travail ça l'a conduit nous fait ça que pas ça? Ou dit-elle tout, mais travail ça c'est tout son besoin. Et ça a eu une situation, lui dit-elle, lui, premier erreur lui fait. Il dit tête li, l'a mouri. S'il pas manger, l'a mouri. Mais en réalité, il pas t'a mouri. Pas grand monde qui mouri parce qu'on fait yon jour pas manger. Li te gen une mauvaise lecture de situation là. Li pensait s'il pas t'a manger pendant yon jour, là même l'a mouri. Personne pas mouri parce qu'on pas mange un jour. Jésus fait 40 jours l'a jeûner. M'pa dou fois il fait 40 jours pour jeûner. Ça m'a fait expliquer, bien-aimé. Ou doit gagner une bonne lecture de situation là. Moment difficulté y est là dans la kounia ou pas appelé pour rester là dedans. Kembe ferme, rester fidèle. Ou pas mourir dans soyeyan. Ou pas destiné pour rester là dedans. Pas qui pas perdu tête ou dans poivre. Le piment bon marché pour pas qu'à manger. Bon Dieu gagne plan, bon Dieu gagne provision pour la vie. Bon Dieu, qu'une provision pour la vie. Esaü, il font mauvaise appréciation de situation là. Il pensait la ville finie, la mourir. Mais non. Et c'est ça mon vie d'où à soyant. C'est vrai, pulsion yo là nous pas qu'à ignorer yo. Nous c'est moun nous fait avec chair, nous fait avec sang. Mais en réalité, nous pas qu'à vivre tant qu'au monde qui pas gain l'esprit de Dieu dans nous. L'esprit de Dieu en nous ba nous moyen pour nous résister, bien-aimé. Troisième bagaille pour nous finir, bien-aimé, comme application. M'ta remè nous toutes qui souligne dans rappeler tête nous que pas gain en rien dans vie ça qui vaut la peine que nous échanger à héritage nous gain dans ciel là. M'a pour dire encore, bien-aimé, pas gain rien dans vie ça qui vaut la peine que nous t'a échangé la héritage nous gagnons cap tant nous.
héritage céleste qui vient pour venir. En rien. Pas besoin qu'on soit présenté combien millions, richesse, pouvoir, gloire, you name it. Pas gain en rien, qui vaut héritage bien-aimé captant nous côté bon Dieu papa. Le mli dans 1 Corinthiens 2 verset 9 et 11, m'appeler rapidement m'pap kembo sou li, il dit mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bagay m'a parlé yo là, c'est bagay yeux pour kouel, oreilles pour kotandel, mais pour qu'on touche le bien-aimé, pas gain en rien qui vaut héritage que nous gagnons auprès de Dieu notre Père. Pas compromettre la vie ou. Non, pas mourir dans soyer. Yes, bon Dieu fait provision pour vous. Son bon travail au besoin, bon Dieu gagne provision pour travail là. Son bon mariage au besoin, bon Dieu gagne provision pour bon mariage là. C'est un petit ou besoin, bon Dieu gagne provision. Pas qu'on promette la vôtre momentanément pour un petit plaisir coulé à pour perdre héritage ou gagner bon côté bon Dieu papa. Développe courage à soya. Que l'esprit de Dieu habilite ou pour résister. Que l'esprit de Dieu habilite ou pour camper ferme sur le roc solide. Ou bon héritage, ou pas n'importe monde, et pas oublier, bon Dieu qui t'en fait provision pour la vie ou déjà. C'est en question de temps, les gens le fixer, monte qui n'en bras l'an. Monte ou en pas gagner même l'heure avec monte qui n'en bras bon Dieu. Ajuster monte ou en à l'heure pas bon Dieu. Ou à saisir, ouais, n'en tant que le fixer pour ça, la pleuvoir en dignité, et ou pas prendre en piège. Jacob t'étonne pour Esaü. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, bien-aimés, et que le Seigneur vous bénisse.